Est-ce que... Slade. Il est là. La flotte de Comstock. Il vient affronter Slade. C'est Slade qui a tué pour son pays à Wounded Knee. C'est Slade qui s'est battu à Pékin. Slade! Slade! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oh oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique, on n'a pas besoin d'en arriver là! Et voilà les enfants! Une vraie mort de soldat! Oh! Génial. Tu n'es pas le Booker DeWitt de mes souvenirs, soldat de plomb, soldat de plomb! Génial! C'est tout ce que tu sais faire, soldat ! Fais un effort, DeWitt ! Ne déçois pas mes hommes ! Elisabeth ! C'est fait ! L'anarchie est-elle autre chose qu'un coup de couteau dans le dos de notre prophète ? Ça m'aide Allons, beaucoup DeWitt, montre-moi de quoi tu es fait. Les hommes et moi sommes condamnés à l'échec, tout comme l'été. Ce courageux Custer à Little Bighorn. Mais nous ne céderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker DeWitt arrive, il se dirige vers l'antre. DeWitt. On l'appelait l'Indien blanc de Wounded Knee. Pour tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable.
Il nous donnera peut-être la paix que nous cherchons. Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Tu es un soldat de plomb maintenant! Un soldat de plomb! Electricity. Hold and release to create a shocking trap. Vous l'avez épargné. C'était pas de la pitié. Les hommes de Comstock vont la voir. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre? Plus vite que tu ne pourrais croire. Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker. Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible.
Vas-y. C'est fait. Besoin d'argent ? Prenez. Génial. Je m'en occupe. Je t'en prie. Non.
levier de potence! C'est Booker. Je ferai un effort pour essayer d'y penser. Booker. Et qu'on arrêtera de se faire tirer dessus. Si ça vous intéresse, j'ai repéré du matériel par là-bas. C'est fini. Tu peux sortir. C'est Comstock qui prendra l'épée. Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais là. Ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais ? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi ? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement ?
Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais ? Et t'as appris quoi, au juste ? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. Elisabeth ! À vos ordres. Il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes ? Comstock. Père ! Prophète ! Qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. Parfait.
C'est parfait! Elisabeth ? Laissez-moi voir ça. C'est prêt. Quand vous étiez inconsciente sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée. C'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt ? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez ? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là ? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer ? Par pure charité. Qui vous envoie ? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes. Pour mettre la main sur toi. Tenez, gardez ça. Merci. Ne le ratez pas. Ah!
Bien. Donc, il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau? Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvait-il savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Ha ha. Soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Je me sens déjà mieux. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé! Qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest, c'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis, ce type, il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement... Oh! C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre vox populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable, et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question, c'est... pour qui tu te bats? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins la Vox Populi. Je veux mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Je ferais mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. La maladie qui revient le plus souvent chez l'ouvrier, et c'est que sa vie ne lui convient pas. Et ils l'ont viré? L'unité volante l'a emmené. Tu risques plus de le croiser ici. Samuel a toujours cru que le sermon du dimanche allait de pair avec le travail du lundi. La science... C'est la lente révélation du dessein divin. Après deux années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island,
Il a développé un cancer de l'estomac. J'ai prié le prophète. Et le prophète nous a offert un miracle, par le biais de Fink, son serviteur. Je ne sais pas si je m'habituerai jamais à voir mon mari encastré dans un squelette en métal. Mais je préfère de loin avoir à mes côtés un handyman plutôt qu'un homme mort. Propriété privée. Si vous cherchez les embûches, je me ferai un plaisir de vous rendre service. Laissez-moi vous dire, nous avons tous un destin. Les pharaons d'Égypte auraient-ils trôné au sommet de leur pyramide? Si les Hébreux ne les avaient pas fondés en briques, les grands patrons auraient-ils arpenté les mailles? Si les Chinois ne les avaient pas posés,
Dégage de là, petite. Tu sais ce qu'on fait aux clandestines, comme toi? Vaut mieux pas que tu le saches. Hé hey hey attends une seconde! Laissez-moi tranquille! Je veux juste te parler! Elisabeth ! Attends-moi une minute ! Je suis pas en colère ! Attention ! Poussez-vous ! Allez ! N'entre pas là! Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme vous! C'est non, un... non, non! Prévenez-les! Non! Laissez-moi! Il doit y avoir une autre entrée. J'ai vu quelque chose! Soyez prêts! Voilà! Fallait pas me chercher! Ah!
votre faute. Une dernière déclaration. Que nos pères nous guident. Il a disparu. Chopez-le. Attends! Cupidon, te livre tes secrets d'amour captive au cou! Le Sardan. N'essayez surtout pas de me suivre, Monsieur DeWitt. Elisabeth, je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir. Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés? Un armurier de Fington. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, Monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Ne vous habituez pas trop à ma compagnie, Monsieur DeWitt. Je ne fais que me servir. Ce qui revient le plus souvent chez l'ouvrier, c'est que sa vie ne lui convient pas. Mais dites-moi, pourquoi vous tourmentez? Jamais le bœuf ne sera l'égal du lion. Pourquoi le voudrait-il? Pourquoi s'inquiéter de toutes ses responsabilités? J'ai une serrure accrochée. Sérieusement? Mangez bien. C'est tout petit verrou. Et couchez-vous. Cette simplicité est sublime. Allez-y.
Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver ? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Soyons clairs. Rien ne me plairait plus. Ma confiance est rendue. Mais en pratique, c'est impossible.